Salut Willy. Bonjour Magali. Comment tu vas? Va bien et toi? Très bien, merci. Donc, je te laisse. Merci Le soin beaucoup. de continuer. Merci. Okay. Donc, bienvenue à tout le monde à ce nouveau webinaire d'Afrinic, donc qui va porter, comme Magali vous l'a dit, sur la réalisation d'audits d'infrastructure pour IPv6. Donc, notre présentation aujourd'hui va s'articuler sur certains points. Le premier qui sera d'abord de comprendre la raison d'être, pourquoi est-ce qu'il faut faire un audit et à quel moment il faudra le faire. Le deuxième, c'est comment est-ce qu'il faut pouvoir faire cet audit. On va vous présenter des outils, une façon de procéder afin de pouvoir réaliser cet audit. Le troisième point, ce sera en fait de faire un peu une démonstration de comment c'est faisable. Et le dernier point sera de pouvoir répondre à vos questions. Comme Magali vous l'a indiqué, n'hésitez pas à utiliser la section Q&A pour poser les questions en rapport avec la présentation. Et pour toutes les autres questions, vous pouvez utiliser la section de chat. Donc, avant de continuer, une question pour vous d'entrée de jeu. Pourquoi doit-on auditer l'infrastructure réseau avant de déployer IPv6? Donc, pourquoi doit-on auditer l'infrastructure réseau avant de déployer IPv6? Vous allez sur menti.com. Si vous êtes déjà, vous y restez. Nous allons donc en fait répondre à cette question. Un instant. OK. Donc, vous avez la question et vous pouvez y répondre. Pourquoi, d'après vous, doit-on auditer avant de déployer IPv6? Donc, je rappelle, la plateforme c'est www.menti.com et le code c'est 55 63 73. Donc, normalement, tous ceux qui étaient déjà sur la plateforme, vous devez juste répondre à la nouvelle question qui s'affiche sur votre page. Donc, pourquoi, d'après vous, doit-on auditer avant de déployer IPv6? Où sont passées toutes la dizaine de personnes qui répondaient tout à l'heure? Donc, vous avez une question maintenant. Donc, trois personnes ont déjà donné leur avis. Pourquoi doit-on auditer avant de déployer IPv6? Une dizaine de personnes. OK. Nous sommes plus d'une quarantaine. Je pense qu'on peut avoir au moins 30 personnes qui peuvent donner leur avis. OK, 20 personnes déjà. On va essayer de dérouler un peu ce qui est proposé. Pour certains, c'est parce qu'il faut faire l'inventaire des équipements, mieux sécuriser le réseau. Certains parlent de planification pour avoir une idée sur les équipements à remplacer, pour éviter les surprises et garantir les chances de succès, pour planifier le déploiement, faire l'état des lieux. OK, pour assurer la compatibilité. OK, 25 personnes déjà. Au moins les quinzaines autres personnes, vous ne donnez pas vos avis, on attend les avis des uns et des autres. Tous les avis comptent. Certains disent par exemple que c'est pour permettre de savoir si les équipements sont compatibles, s'ils répondent aux normes. C'est pour faire un état des lieux aussi, pour savoir à quoi s'en tenir. OK. 27 personnes ont participé, c'est bien. Si on peut avoir le reste des participants également, ce sera bien. N'oubliez pas que nous allons utiliser la plateforme tout le long, en fait, de ce webinaire. Donc, gardez toujours un onglet ouvert sur la page de menti.com. Alors Willy, excuse-moi de te couper. Il y a certaines personnes qui répondent à la question dans le chat ou encore dans la zone questions-réponses, non? Les questions qu'on vous pose, utilisez la plateforme www.menti.com. Menti.com, le code est 55 63 73. C'est là où les questions sont posées. Et si vous avez des questions à poser, allez plutôt dans la zone questions-réponses. C'est là où il faut poser la question. Merci. Merci Stéphane pour la précision. Je rappelle que nous allons effectivement utiliser cette plateforme tout le long du webinaire, donc gardez toujours un onglet sur cette page. Donc jusqu'ici, nous avons donc 29 personnes qui ont déjà donné leur avis. Et on a un peu listé les avis qui tournaient soit autour de la compatibilité, faire l'inventaire, faire un état des lieux. OK, très bien. Donc,
Nous allons continuer sur cette base, mais gardez toujours un onglet sur cette page. Donc, effectivement, pourquoi doit-on faire auditer? Pourquoi auditer? Pourquoi ne pas juste se lancer et commencer à déployer? Si vous êtes un ingénieur qui est suffisamment malin, vous devez savoir qu'on généralement n'avance pas à l'aveugle. Et comme certains d'entre vous l'ont mentionné, vous devez savoir aussi que vos équipements ou vos logiciels, parce que aussi on compte aussi les logiciels, vous devez savoir si ces équipements supportent les fonctionnalités qui sont prévues. Ne pas le faire, ce serait comme avancer à l'aveugle, donc, et en espérant que tout va marcher sur des roulettes. Mais à ce moment, quelle est votre probabilité que vous n'ayez pas des soucis? On ne va pas se risquer à faire juste un jeu de probabilité. Donc, on va faire un audit pour se rassurer d'un certain nombre de choses afin de minimiser le nombre d'inconnus qu'on peut avoir. Une autre question maintenant pour vous, toujours sur menti.com. En quoi est-ce que l'audit peut donc maintenant nous aider? Maintenant que nous sommes d'accord sur le fait qu'il faut un audit, en quoi est-ce qu'il peut effectivement nous aider? C'est l'objet de la prochaine question. En quoi l'audit peut-il nous aider? Donc, vous avez 4 propositions. En quoi l'audit peut-il nous aider? Déterminer précisément les coûts de déploiement. Réduire les risques liés aux équipements obsolètes. Réduire le temps de déploiement. Ou bien, en fait, il peut nous aider en fait, par rapport à toutes les raisons qui ont déjà été évoquées. Donc, encore une fois, sur toujours la page de menti.com, en quoi l'audit peut-il nous aider? Nous sommes d'accord qu'il faut faire un audit, mais maintenant, en quoi est-ce qu'il va nous aider? Donc, vous avez un certain nombre de propositions qui sont faites là et il vous suffit de donner votre avis. OK. 19 personnes, 20 personnes, c'est bien. Si on pouvait avoir au moins 40 personnes qui participent, ce serait bien. Ce n'est pas compliqué, il vous suffit d'aller sur la page www.menti.com. Vous avez un code qui est le 55 63 73 et vous avez la question qui s'affiche et qui est à l'écran en ce moment et qui est de savoir en quoi est-ce que l'audit peut effectivement nous aider. Donc, est-ce que c'est de déterminer précisément les coûts, réduire les risques liés aux équipements obsolètes, réduire le temps de déploiement ou bien est-ce que c'est toutes ces raisons-là? 27 personnes ont déjà participé. Nous ne sommes pas encore à la moitié des personnes en ligne. OK. Donc, la majeure partie jusqu'ici, en fait, évoque le... Ça peut être toutes ces raisons. Donc, 29 personnes ayant déjà participé. J'en déduis que les autres sont encore en train de réfléchir. Mais si vous rentrez dans le contexte de votre organisation, en quoi est-ce que l'audit peut vous aider? Pensez à votre organisation, votre environnement, réseau. En fait, en quoi l'audit va vous aider dans le cadre d'un déploiement d'IPv6, par exemple? OK. Donc, 30 personnes, en fait, ont déjà participé. La grande majorité dont a indiqué que l'audit peut nous aider par rapport à toutes ces raisons. Et toutes ces raisons sont donc de déterminer précisément les coûts de déploiement, réduire les risques liés aux équipements obsolètes et de réduire également le temps de déploiement. Merci pour votre participation. Donc, on reprend donc. Donc, effectivement, l'audit peut vous aider à pouvoir répondre à ces points qui sont donc de déterminer les coûts, réduire les risques liés et réduire le temps de déploiement. C'est ce en quoi, en fait, l'audit peut nous aider. Bien sûr, il peut nous aider sur d'autres éléments, mais ce sont les principaux éléments, en fait, qui sont évoqués. Donc, à quel moment, donc, est-ce que nous devons auditer? Nous vous recommandons, en fait, de faire l'audit le plus tôt possible. Donc, ce sera au démarrage du projet ou à l'amont du démarrage du projet. Pour la simple raison que si vous avez besoin, en fait, d'arriver, votre objectif final que vous connaissez, que vous avez identifié, est de pouvoir, en fait, avoir un environnement réseau qui soit compatible IPv6, vous devez, en amont du projet, justement, connaître déjà, par rapport à votre infrastructure existante ou à prévoir, quel est l'état, quel est le statut, en fait, des différents éléments que vous avez dans votre réseau. Donc, c'est pour ça que nous vous recommandons de pouvoir faire cet audit aussi tôt que possible. Imaginez-vous que vous ne fassiez pas l'audit au début et que vous soyez bloqué dans le déroulement du projet
parce que peut-être un de vos équipements, un de vos logiciels ne supporte pas certaines fonctionnalités qui sont attendues. Donc, maintenant que nous savons qu'il faut faire au début de l'audit, qu'il faut faire au début du projet, maintenant, comment est-ce que vous pouvez auditer? Donc, dans cette section, en fait, nous allons un peu vous présenter une procédure et quelques outils recommandés. Première chose ici, en fait, à laquelle il faut faire très attention, vous connaissez certainement ce personnage qui s'appelle Double Face dans la série de Batman. Par double face, vous comprenez bien en fait qu'il y a deux facettes d'une même réalité. Dans le cadre des équipements, de manière générale, souvent vous allez voir certains vendeurs vont vous mettre en avant, peut-être vous mettre un logo ou bien mettre quelque part, ils vont dire « Ok, notre équipement est IPv6 ready ». Donc, ce qu'en fait nous on vous demande, ce sur quoi on vous demande de faire attention, c'est que ne vous arrêtez juste pas sur le fait que vous voyez écrit peut-être sur un équipement, sur une fiche technique, la notion de IPv6 ready. Ça, c'est, on va dire, la face visible ou la face la plus claire, d'accord? Celle qu'on veut vous montrer. Maintenant, dans les faits, souvent, ce n'est pas le cas. Surtout lorsqu'on parle peut-être de certaines fonctionnalités qui peuvent être critiques. Donc, c'est pour cela qu'il vous faut toujours pouvoir vérifier. Donc, il vous faut pouvoir, en fait, effectuer effectivement cet audit pour pouvoir déterminer si oui ou non votre équipement peut effectivement implémenter telle ou telle fonctionnalité. Donc là, maintenant, nous allons donc prendre les étapes de l'audit. Et donc, la première étape sera donc, par rapport à l'audit, ce sera toujours d'énumérer ou de lister dans les équipements ou les logiciels qui sont mis en jeu. Donc, dans votre parc, dans votre environnement ou dans votre projet futur, vous devez énumérer en fait les équipements qui sont mis à jeu. Et bien sûr, dans l'énumération, ça veut dire que vous devez les localiser. Vous devez pouvoir déterminer leur modèle, leur numéro de série, leur système d'exploitation. Donc, vous devez en fait répertorier un ensemble d'informations. La deuxième étape sera donc de déterminer les fonctionnalités requises pour pouvoir y arriver. Les fonctionnalités requises par rapport à un objectif bien précis. On va le voir plus loin. En fonction de la fonction que remplira votre équipement dans le réseau, vous aurez besoin de pouvoir vérifier qu'il peut effectivement remplir telle ou telle fonctionnalité. Le troisième, donc, c'est donc de rechercher les fonctionnalités en question sur le site ou bien en fait dans les documentations techniques qui vous sont fournies par votre vendeur ou toute autre source de documentation que vous pourrez avoir. Et le dernier élément, en fonction des informations que vous aurez récupérées, ce sera donc de décider. Donc, en fonction du statut, des informations récoltées, est-ce que vous avez un go ou un no-go par rapport à vos équipements? Donc, une autre question pour vous. Par rapport à ces étapes de l'audit, donc les quatre étapes qui vous ont été présentées, laquelle vous semble la plus difficile? Donc, toujours sur Menti. Laquelle des étapes de l'audit vous semble la plus difficile? Énumérer les équipements, déterminer les fonctionnalités requises, rechercher les fonctionnalités supportées, ou bien il n'y a aucun challenge pour vous? Par rapport à ces étapes, laquelle vous semble la plus difficile? Est-ce énumérer des équipements, déterminer les fonctionnalités, rechercher des fonctionnalités supportées? Ou bien, pour vous, en fait, il n'y a aucun challenge. Voilà, 14 personnes ont déjà donné leur avis. Je rappelle que nous sommes une cinquantaine. Ce serait bien d'avoir les avis de tout le monde ici. Donc, laquelle des étapes de l'audit vous semble la plus difficile? Allez, les amis, ce n'est pas compliqué pour pouvoir participer. Il vous suffit d'aller sur www.menti.com et vous saisissez le code qui est à l'écran, qui est le 55 63 73. OK. 29 personnes jusqu'ici, sur la cinquantaine que nous sommes.
Voilà, c'est bien. Maintenant, beaucoup plus de personnes participent. C'est déjà bien ça. OK, jusqu'ici, en fait, l'étape qui semble la plus difficile pour les uns et les autres, la trentaine de personnes, sont de déterminer les fonctionnalités requises et de rechercher les fonctionnalités supportées. OK, d'accord. Est-ce qu'on peut avoir au moins encore cinq autres personnes sur la cinquantaine que nous sommes? Ce serait bien. Donc, je répète la question, donc, c'était de savoir, en fait, quelle est l'étape pour vous de l'audit qui vous semble la plus difficile? Voilà, OK. Donc, je crois qu'on a récolté, en fait, le maximum de ceux qui participent sur Menti. Donc, comme on est indiqué ici, tel que les statistiques le disent, c'est beaucoup plus sur les fonctionnalités requises à déterminer ou soit sur les fonctionnalités à rechercher. Et nous sommes aussi d'accord avec vous à ce propos. Donc, ce qu'on va faire, justement, c'est que nous avons des outils d'audit qui vous rendent justement cette tâche facile. Et c'est ce que nous allons vous présenter de manière assez pratique. Donc, par rapport aux éléments que vous avez évoqués. Donc, nous disions, première étape, donc, c'était donc d'énumérer les équipements à auditer. D'accord? Donc, et à ce moment, une question que je vous ai posée et que je vais vous reposer là maintenant, c'est donc, où est-ce que vous avez donc la liste de vos équipements ou de vos logiciels? Par rapport à votre infrastructure, où est-ce que vous obtenez la liste de ces équipements ou de ces logiciels? Dites-nous, où obtenez-vous la liste des équipements et logiciels? Vous devez effectuer l'audit. Il faut bien commencer quelque part. Comment vous collectez votre liste par rapport à votre environnement? Comment ça se passe de manière très générique, sans entrer dans les détails? Comment est-ce que vous obtenez la liste de vos équipements ou de vos logiciels? Vous devez faire l'audit, vous n'allez pas faire sur du vide, vous le faites sur la base de peut-être l'existant. Donc, où est-ce que vous trouvez la liste de vos équipements par rapport à votre réseau à vous? Bon, très bien, certains parlent d'inventaire, OK? Mais même l'inventaire, là, en fait, il sort bien de quelque part. Donc, où est-ce que vous obtenez la liste de vos équipements? Parce que, rappelez-vous, c'est bien la première étape pour pouvoir réaliser l'audit. Il faut que vous sachiez, en fait, où se trouvent vos équipements, comment vous faites, où se trouve cette liste, comment vous répertoriez. Historique des achats. Voilà. D'accord. Ça veut dire qu'il faut garder ça très, très, très soigneusement. Bon, généralement, c'est beaucoup plus les finances, là. Ceux des techs, généralement, vont utiliser d'autres outils. Mais bon, effectivement, vous pouvez utiliser l'historique des achats. En faisant l'inventaire des équipements en usage. Oui, faire l'inventaire du parc. OK? Ça signifie que si vous avez un parc qui est très énorme et ou même qui est répandu sur plusieurs sites géographiques, ça signifie que ça peut vous prendre du temps. Et vous n'avez pas vu en fait la méthode. Est-ce que c'est des supports papier, supports numériques? Certains parlent d'outils de monitoring. OK? Certains parlent d'outils qui vont faire un scan. Recensement via un fichier Excel. D'accord. N'oubliez pas que juste parmi, dans vos méthodes, en fait, plus elles sont manuelles, plus mettez toujours à l'esprit que ce sera compliqué quand vous avez un parc qui évolue, qui est très important ou qui est très dynamique également. Donc, voilà, certains parlent de à travers leur CRM ou le système de monitoring. Certains mentionnent des outils spécifiques comme GLPI. D'accord. OK. Mais certains parlent de manuel ou d'inventaire. OK, très bien. D'accord. Donc, voilà un peu dans la comptabilité matière de l'entreprise. OK, c'est noté. Donc, 36 personnes ont participé jusqu'ici. C'est bien. J'espère qu'on pourra monter à 40 d'ici là. OK. Donc, la deuxième étape, en fait, après avoir listé dans les équipements maintenant, ce sera donc de déterminer les fonctionnalités requises. Nous avons quelques références que nous vous donnons, mais en fait, vous aurez également dans le support la latitude de pouvoir les consulter beaucoup plus aisément. Donc, vous avez des documents de référence qui ont été mis en place par certains comités, comme au sein du RAP, NCC, où en fait, ils ont fait un guide de bonne pratique ou bien sûr des éléments à vérifier sur les équipements ou ce que vous devez attendre de certains de vos équipements. Un organisme étatique également aux États-Unis a également fait en fait une sorte de profiling de justement des équipements. Et le dernier élément, et c'est quand même en fait la base de tout ce que vous pouvez faire, c'est généralement les RFC. Parce que dites-vous toujours que quel que soit l'équipement ou le logiciel,
ils vont reposer sur des standards. Donc, par exemple, pour pouvoir implémenter certaines fonctionnalités en IPv6, ça va être sous concernant BGP, ça va être concernant OSPF V3. Ça signifie que tous ces équipements vont d'abord respecter des standards qui ont été mis en place. Et ces standards, qui les met en place? Une petite question que je vous pose, et là, vous pouvez répondre directement dans le chat sur Zoom. Qui met en place ces standards? Ou bien les RFC là? Où est-ce qu'on retrouve ces RFC, d'après vous? Là, vous pouvez répondre dans le chat sur Zoom directement. Où est-ce que vous trouvez ces standards-là? J'ai dit que le dernier élément, par exemple, c'est donc dans la centaine des RFC. Mais les RFC, où est-ce que vous les trouvez? Il y en a qui ont des avis. OK, je vois dans le chat, on écrit l'I3E, l'ICANN, IETF. D'accord. OK, c'est noté, Bruno, par rapport au RIPE 554. Merci. OK, d'accord. OK, notez que... OK, donc je note déjà, en fait, par rapport à ce que les uns et les autres ont dit. L'I3E, ce qui concerne, on va dire, tout ce qui est sur le côté électrique, beaucoup plus électrique, électronique. L'IETF va concerner, en fait, ce qui va sur le domaine de l'Internet. S'il fallait parler des télécoms, c'est beaucoup plus au sein de l'IUT. Voilà. Donc, voilà un peu comment est-ce que vous avez. Mais pour ce qui nous concerne ici, concernant IP, ce sera donc en fait ce qui est en fait travaillé au sein de l'IETF. Voilà. Merci beaucoup pour les retours des uns et des autres. Donc, après cette étape, la troisième étape, ce sera donc de rechercher les fonctionnalités et le support. Donc, vous recherchez les fonctionnalités et le support, comment cela? Soit ce sera donc, vous avez, donc, comme on a déjà un peu évoqué, vous avez le logo du programme IPv6 Ready Logo que vous allez retrouver sur certains équipements. Notez que ce logo, lorsque en fait il est bien suivi, en fait c'est parce que c'est un consortium en fait qui a permis d'attester, de confirmer un certain nombre de choses par rapport à un matériel. Donc nous allons voir beaucoup plus loin le site web en question où vous allez voir que sont référencés des matériels et on vous liste très exactement ce qu'ils peuvent supporter. Vous avez également l'explorateur de fonctionnalités mis à disposition par certains vendeurs. Donc, certains vendeurs d'équipements, en fait, vont vous proposer sur leur plateforme une façon de pouvoir retrouver justement, en fonction de votre équipement, de votre modèle, de votre version, les fonctionnalités qui sont supportées. Donc, vous pouvez également vous reposer dessus. Troisième élément, ce seront donc aussi les fiches techniques, bien sûr, les release notes, les notes de sortie, lorsqu'une nouvelle version est sortie, ou bien en fait les fiches techniques qui viennent avec vos équipements, qui vont aussi vous présenter donc quelles sont les fonctionnalités en question. Bien sûr, ces trois étapes, vous pouvez répéter donc le processus à chaque fois pour chaque nouvelle fonctionnalité. Donc, étape numéro 4, donc en fonction de ce que vous aurez trouvé comme information, vous cherchez une fonctionnalité bien précise. Vous avez déjà énuméré vos équipements. Vous cherchez une fonctionnalité bien précise. Vous avez regardé sur le site peut-être de votre constructeur, est-ce que cette fonctionnalité est mise en place ou pas. Donc, vous compilez donc les différentes informations. Vous évaluez donc tout cela. Et après, vous décidez du statut. Dans le statut, vous aurez plusieurs types de statuts. Soit ce sera donc effectivement IPv6 ready, c'est-à-dire que les informations que vous avez trouvées vous ont permis de conclure que okay, cet équipement peut effectivement implémenter telle fonctionnalité IPv6 souhaitée. Ou bien, en fonction des informations que vous avez trouvées, cela peut nécessiter une mise à jour, soit logicielle, soit matérielle, ou bien les deux. Ou bien, le dernier cas, et justement aussi pour ça qu'on fait l'audit pour éviter ce genre de cas, c'est justement de tomber dans le cas où vous devez constater que vous devez le remplacer totalement. Mais au moins, l'intérêt d'avoir fait l'audit est que justement, l'étape du statut vous permet donc d'avoir une position claire par rapport à un équipement donné. Donc, ça peut être, donc, comme on indiquait, soit il est prêt à fonctionner, soit il faut une mise à jour, soit il faut un remplacement total. Ce sont ces informations, en fait, que vous allez donc utiliser avec, par exemple, soit vous étant gestionnaire de projet au sein de votre organisation, peut-être pouvoir monter, on va dire, ou améliorer votre projet, votre budget. Parce que c'est en fonction de ces informations, justement, que vous saurez, OK, est-ce qu'il nous faut peut-être investir
peut-être sur un nouveau équipement, faire une mise à jour? Est-ce que ça va demander un coût? Est-ce que ça va demander du temps? Bref, est-ce que ça va demander des ressources humaines, financières ou autres? Donc, voilà un peu à quel niveau, en fait, à quel niveau, en fait, par rapport au statut, là où vous allez arriver. Donc, nous avons donc un assistant d'audit qui vous aide, en fait, à pouvoir lister ces informations, à collecter ces informations et à pouvoir les présenter pour vous-même de manière digeste. Donc, tout au long, en fait, pour le reste de la présentation, ce que nous allons faire, nous allons donc, en fait, utiliser cet outil pour pouvoir faire cela. Donc, nous allons exploiter un outil d'audit. Cet outil d'audit également, nous allons donc vous partager le lien par la suite. Donc là, vous avez une capture, mais on va le voir beaucoup plus loin. En fait, sur l'outil d'audit en lui-même, ce que vous voyez ici, en fait, c'est donc, on va dire, c'est une fenêtre de ce que vous permet donc l'outil d'audit. Vous avez là un exemple avec un routeur Cisco dans notre banc d'essai. Voilà, donc nous allons donc prendre des exemples tout à l'heure. Donc, nous avons parlé d'explorateurs de fonctionnalités, certains consultants en ont. On va aborder donc ces explorateurs tout à l'heure. Vous avez un exemple ici. Vous avez également pour Cisco, pour Juniper, vous en avez là. Il y a également Huawei qui a aussi un explorateur de fonctionnalités. Donc, ce que nous allons faire maintenant, nous allons basculer très rapidement sur la pratique pour vous présenter donc notre assistant d'audit. OK. Donc, l'assistant d'audit, donc, nous vous partagerons dans ce tableur. À l'intérieur, en fait, vous allez trouver des informations déjà qui vous expliquent ce qu'il faut faire, comment vous pouvez faire. Vous avez tout un listing des RFC, certaines RFC. Ce n'est pas exhaustif, mais un listing de certaines RFC que, en fait, vous devez souvent, vous pouvez exploiter pour pouvoir vérifier certaines fonctionnalités. Nous avons mis l'adresse de certains sites web ici que vous pouvez exploiter en fonction de votre constructeur ou des informations beaucoup plus génériques. Donc, arrêtons-nous d'abord sur les différents feuillets. Donc, après ce feuillet instruction, donc, vous avez un feuillet qui concerne donc les définitions où, en fait, vous allez voir que nous avons listé un peu quelques fonctionnalités par défaut qu'il faut peut-être identifier. Je prends par hasard, vous voyez, par exemple, dans la session des routeurs, vous avez tout ce qui va concerner MPBGP, OSPF, OSPF V3, ASAS, par exemple. Vous avez, par exemple, tout ce qui va concerner NetFlow et un certain nombre d'autres fonctionnalités. Donc là, vous avez des fonctionnalités communes, on va dire. Vous avez des fonctionnalités propres à certains, en fonction de l'emplacement du routeur dans le réseau, comme ce que vous voyez ici, soit serveur Radius, DHCPv6, DNS64, NAT64. Vous avez aussi certaines qui sont propres, par exemple, au CPE. Donc, ça, c'est juste un onglet qui vous liste certaines fonctionnalités et vous pouvez en ajouter aussi. Vous avez un autre, en fait, où on vous suggère de mettre le diagramme réseau afin de pouvoir justement discuter à travers un schéma. Et maintenant, vous avez le feuillet que je vous ai présenté tout à l'heure en capture dans notre présentation. L'intérêt ici, comme vous le voyez, c'est que vous listez, on commence donc, vous listez donc votre équipement, le nom de votre équipement, le type d'équipement, d'accord, l'emplacement de cet équipement, et après, maintenant, vous avez donc des détails, par exemple, le système d'exploitation, de quel système il s'agit, vous devez l'identifier. Vous devez également identifier la version. Et après, nous allons maintenant parler des fonctionnalités. Sur les fonctionnalités, ce qui importe ici, c'est, n'oubliez pas que c'est un équipement que vous avez identifié qui a une place dans le réseau. Donc, le plus important ici, c'est en fonction de son emplacement dans le réseau, il y a des fonctionnalités bien particulières que ce routeur doit implémenter. Par exemple, si c'est un routeur qui va faire des annonces BGP et qui est le routeur de bordure qui est impliqué dans les sessions eBGP. Vous êtes d'accord avec moi que le plus important pour ce routeur, c'est est-ce qu'il est capable de pouvoir supporter BGP 4, donc faire de Address Family Identifier, implémenter tout cela. Ce n'est pas strictement obligatoire dans son cas d'implémenter OSPF V3, d'accord? Parce que ce n'est pas lui, peut-être, qui serait impliqué dans, on va dire, tout ce qui va concerner le routage interne. C'est juste un exemple.
Mais ce que je veux en fait vous faire remarquer, c'est que à ce niveau, ce que vous faites, c'est identifier les fonctionnalités qui répondent aux besoins d'un équipement en fonction de son emplacement dans le réseau. Parce que ce n'est pas, par exemple, ce routeur qui va faire les annonces BGP, ce n'est pas lui qui s'occupe de faire du DHCPV6, par exemple. D'accord? Donc, maintenant, vous avez donc, en fonction de la fonctionnalité identifiée, vous avez une colonne qui vous demande de spécifier est-ce que c'est une fonctionnalité obligatoire ou optionnelle? C'est-à-dire, est-ce que vous avez besoin absolument de cette fonctionnalité pour pouvoir exploiter ce routeur, pour que ce routeur fasse, oui ou non, joue, oui ou non, le rôle que vous attendez. Donc, c'est là où maintenant, par rapport à la colonne support, c'est là où maintenant, en fait, va entrer le jeu de la recherche de fonctionnalités. Et donc, la recherche de fonctionnalités, vous la faites donc, comme nous avons indiqué dans la présentation, à travers différents sites. Là, nous avons le premier qui est par exemple celui du IPv6 Ready Logo. Et si vous avez un équipement qui a ce label, en fait, quand vous êtes sur cette page web, généralement, vous avez plusieurs champs de recherche où vous indiquez, soit en fonction du logo ID, vous avez plusieurs filtres et vous avez donc une manière de pouvoir retrouver en fonction de cet élément certaines caractéristiques liées à cet équipement. Donc, si vous avez un équipement, par exemple, qui a où c'est stipulé IPv6 Ready Logo, à ce moment, vous pouvez venir sur ce site web et vous allez pouvoir retrouver en fonction de cet équipement toutes les fonctionnalités, des informations particulières qu'il peut supporter. Vous avez donc également une page, bon, bien sûr, qui peut être dynamique, qui est très dynamique, sur Wikipédia qui présente un peu, on va dire, de manière globale. Ce n'est pas forcément à jour, mais si vous donnez une piste sur un tableau de ce qui est fait en termes de système d'exploitation et des compatibilités par rapport à certaines fonctions. Maintenant, je vous ai également dit que certains vendeurs ont également cette fonctionnalité à travers leur propre plateforme. Par exemple, si vous avez un routeur Juniper, vous pouvez venir dans leur explorateur de fonctionnalités et je vais reprendre dès le début, juste pour vous montrer. Donc, quand vous êtes sur l'explorateur de fonctionnalités de Juniper, vous pouvez faire une recherche en fonction soit, par exemple, de votre type de produit, soit en fonction du système d'exploitation que vous avez. Vous faites une recherche sur les fonctionnalités de votre routeur. Prenons par exemple, je prends en fonction de routeur, je dis que j'ai un routeur de la série, par exemple, NX204. Ensuite, je dis que j'ai peut-être la release 19.3 R2. Après, ce qui se passe, c'est que sur cette plateforme, il va donc nous présenter les fonctionnalités implémentées par ce routeur avec cette version. Maintenant, si vous cherchez un élément particulier, par exemple par rapport à IPv6, vous pouvez venir dans ce filtre ici. Et à ce moment, vous sélectionnez juste IPv6, par exemple, mais ça peut être autre chose. Et là, le filtre ne va afficher que ce qui concerne IPv6 et par rapport à ce système d'exploitation et cette version. Donc, c'est idem également. Par exemple, vous voyez sur Microtik, ils ont une page sur leur wiki où, en fait, à chaque fois, enfin, en fonction de la mise à jour de Router OS, on vous présentera donc, en fait, un certain nombre de fonctionnalités de manière basique qui sont implémentées. Huawei également propose une page plus ou moins similaire où, en fait, ce que vous faites, quand vous êtes sur la page, vous indiquez votre modèle, la version, là c'est un exemple qui est donné, et après il va donc vous lister un certain nombre de fonctionnalités qui sont implémentées et vous avez un détail également. Voilà. Donc ceux qui ont Cisco, il faut savoir que Cisco a une page qu'ils ont mise à jour et qu'ils sont encore en train de mettre à jour. Donc vous n'allez pas forcément retrouver pour les routeurs toutes les informations à jour dès maintenant, mais au moins vous avez, à partir de ce portail, vous pouvez indiquer la fonctionnalité recherchée. Et vous voyez ici qu'il va vous lister un certain nombre d'informations. Si vous avez des routeurs logiciels, la recommandation que je vous donne, par exemple, si vous avez FRR ou BERT, la recommandation que je vous donne, c'est que vous allez sur le site web officiel. Je vous donne un exemple avec FRR, par exemple. Généralement, ce que vous faites, c'est que vous lisez dans la documentation. Et dans la documentation, là, à ce moment, vous allez lire les changelogs, dont les release notes, où on vous montrera par exemple quelles sont les dernières fonctionnalités implémentées et ainsi de suite. Voilà. Donc, de manière générale,
Voilà donc comment est-ce que vous pouvez avoir ces informations. Donc, si vous avez trouvé, par exemple, par rapport à votre routeur, votre fonctionnalité, si vous avez identifié que c'est supporté, vous cochez la case supportée. La case supportée. Maintenant, dans la conclusion, rappelez-vous, c'est notre dernière étape, vous allez donc indiquer le statut. Est-ce que c'est prêt? Est-ce qu'il faut une mise à jour matérielle, les deux, ou est-ce que ce n'est pas possible? Donc, vous l'indiquez simplement ici. Si vous avez un commentaire à faire, vous pouvez également le mettre là. Mais l'idée, c'est que, rappelez-vous, par rapport à un routeur et une fonctionnalité précise, c'est d'indiquer, est-ce que d'abord, c'est une fonctionnalité obligatoire? C'est-à-dire que si cette fonctionnalité n'est pas supportée, en réalité, ça signifie qu'on ne pourrait pas aller plus loin. D'accord? Si maintenant la fonctionnalité est obligatoire et qu'elle est supportée, bon, peut-être la conclusion, ça peut être OK, c'est OK, mais peut-être qu'il y a une petite mise à jour logicielle à effectuer. Donc, l'intérêt en fait de ce petit fichier, de ce tableur, c'est de vous aider donc à pouvoir recenser rapidement vos équipements, les différentes fonctionnalités, les supports, supportés ou pas, de indiquer votre conclusion et des notes. De telle sorte que vous puissiez compiler tout cela et ça pourra vous servir donc dans un document de présentation ou bien en fait au moins à vous indiquer quelles sont les étapes à pouvoir réaliser avant de pouvoir continuer votre déploiement d'IPv6. Voilà. Donc, un instant. OK. Donc, ceci étant présenté, si vous avez, pour tous ceux qui ont besoin d'une assistance par rapport à Phrynik, nous pouvons vous aider bien sûr à pouvoir mettre en place votre projet de déploiement d'IPv6, vous aider dans l'audit. Vous avez une seule adresse, c'est celle qui est affichée là à l'écran, bit.ly/6deploy.fr. Et en remplissant le formulaire, en fait, une personne de l'équipe du helpdesk vous contactera pour vous aider dans vos projets de déploiement. Donc, voilà, c'est ce sur quoi nous allons nous arrêter. Si vous avez des questions. Alors, merci Willy, merci pour la présentation et pour les outils. Il y a quelques questions dans le chat et une question dans la zone Q&A. Tu viens de répondre à la première question, quelqu'un qui demandait si nous pouvons les aider dans la mise en place de leur projet IPv6. Donc justement, vous avez la réponse, vous pouvez tout de suite remplir le formulaire. Il y a quelqu'un qui demandait comment utiliser cet outil, Willy. Comment utiliser l'outil? L'outil d'audit. D'accord. Donc, est-ce qu'on reprend? Non, quand il dit comment utiliser, c'est-à-dire peut-être le lien à partager. Donc, oui. OK. OK, donc, à la fin, en fait, quand vous aurez, en fait, après avoir répondu au questionnaire qui vous sera envoyé, vous aurez donc accès, vous aurez le lien, en fait, vers ce document. En fait, vous aurez le lien qui vous permet d'accéder à ce document et ainsi qu'à toutes les autres ressources. Donc, voilà, nous donnerons tout cela à part la suite. Voilà, donc tu peux te référer à la zone questions-réponses pour avoir plus de questions. D'accord, très bien. Donc, Natus qui demande pourquoi la fréquence de mise à jour des fonctionnalités est très petite, de telle sorte qu'on a l'impression qu'ils le font exprès pour leur business. Bon, la fréquence des mises à jour dépend de chaque constructeur et de chaque logiciel. Donc, on va dire de manière générale, chaque constructeur ou chaque logiciel a sa politique ou son mode de fonctionnement. Donc, il ne tient qu'à vous, en fait, d'adopter ou de ne pas adopter tel ou tel. C'est aussi pour ça que c'est bien d'avoir une diversité d'équipements ou de logiciels, parce que ce n'est pas seulement dans le matériel. Donc, c'est à vous, en fait, de voir ce qui peut mieux vous correspondre. Si vous estimez que la fréquence des releases pour tel est trop rapide, ou bien que ça ne peut pas vous convenir, vous avez la latitude de voir d'autres. Tout le monde n'a pas la même fréquence. Voilà. Question de Bruno. Est-ce que vous avez des retours d'expérience sur le coût humain de la réalisation d'un audit pour des infras de différentes tailles? Donc, à notre niveau, ce que je peux dire, mes collègues pourront aussi compléter,
De manière générale, en fait, l'approche, déjà, il faut savoir, en fait, on n'a pas une expérience sur... En fait, l'approche que nous avons, justement, c'est d'y aller de manière graduelle. Parce que ça peut être parfois déroutant pour certaines personnes de se dire, OK, on a 80 à 300 routeurs répartis dans toute notre infrastructure. S'il faut commencer l'audit, ça va être compliqué. Donc, l'approche en fait, que nous donnons, en fait, c'est d'y aller de manière graduelle. Et par exemple, en prenant en fonction de l'étape qu'on veut réaliser. Je donne un exemple très simple. Lorsque vous démarrez, par exemple, un projet de déploiement IPv6, lorsque vous êtes vraiment tout nouveau, il va arriver un moment où, après avoir obtenu un préfixe, vous aurez besoin d'annoncer votre préfixe. Donc, à ce moment, l'approche que nous donnons, c'est OK, faites d'abord l'audit des équipements impliqués dans l'annonce. Certainement, vos équipements impliqués dans l'annonce, vous n'en avez pas 10 milliards. Donc, ils ne seront pas très nombreux, mais ça vous permettra de moins de commencer un audit et de faire, en fait, une première évaluation. Après, vous aurez un moment besoin, donc, maintenant, de voir comment travailler dans le cœur du réseau. À ce moment, vous y allez aussi de manière graduelle. Donc, en fait, c'est juste pour dire que nous n'avons pas forcément un coût tout de suite là, parce que ça dépend aussi, on n'a pas toujours, tout le monde ne donne pas toujours toutes les informations, ça dépend de chaque infrastructure, bien sûr. Mais pour ne pas dérouter les gens et pour que les gens ne se sentent pas, on va dire, découragés, nous vous encourageons fortement à y aller de manière graduelle. Question de Frumin. Si une entreprise publique a besoin de votre assistance A à Z dans son projet IPv6, quelles sont vos conditions? Si possible, d'en savoir plus ici avant de remplir le formulaire. De manière générale, si une entreprise publique a besoin de l'assistance, ce qu'on va vous recommander, c'est en fait d'être membre Afrinic, déjà dans un premier temps, d'être membre Afrinic. Avant d'être membre Afrinic, bien sûr, vous avez la latitude de pouvoir exploiter l'ensemble de nos ressources qui sont en ligne, que ce soit bien sûr ces webinaires avec lesquels on discute avec vous, on échange sur un certain nombre de choses. Vous avez également la possibilité de pouvoir suivre les cours à distance. Vous aurez même bientôt aussi une version en français de nos cours à distance, les cours en ligne. Et donc, comme je l'indiquais, en fait, on vous recommande donc aussi d'être membre Afrinic. Mais voilà, d'être membre Afrinic, comme ça, ça nous permet d'assurer en fait votre suivi. Mais n'oubliez pas que de toute façon, vous avez accès à un certain nombre de ressources qui concernent Afrinic pour pouvoir vous aider. Mais dans la première étape, quand vous remplissez le formulaire, ce qu'on va en fait faire avec vous, c'est qu'on va vous aider déjà même à pouvoir déterminer vos besoins avant de pouvoir démarrer un déploiement d'IPv6. Donc, avant même que vous soyez déjà membre Afrinic. Ibrahim qui demande si on peut faire une révision sur le... Bon, Ibrahim, ce qu'on peut te conseiller, c'est de revoir en fait les anciens webinaires qui sont sur notre channel. Bon, je crois que c'est la même question qui revient. OK, Stani qui demande, nous avons appris pour le checking du matériel, mais qu'en est-il de celui des logiciels? Donc, voilà, la présentation, en fait, c'est focalisée principalement sur le matériel parce que, en fait, c'est déjà le premier élément qui, pour le moins, en fait, doit prendre en compte. Mais nous avons prévu également avoir des présentations dans ce sens. Mais il faut distinguer ici, j'imagine que c'est un peu ce que Stani voulait, là où Stani voulait en venir, c'est que dans les logiciels ici, vous avez certainement vos logiciels métiers que vous distinguez par exemple des logiciels qui sont liés en fait à l'exploitation du réseau. Donc voilà, nous, pour la présentation, c'est basé principalement d'abord sur tout ce qui est impliqué dans l'exploitation du réseau. Mais n'oubliez pas que de toutes les façons, par rapport à vos différents logiciels métiers aussi, ils devraient pouvoir répondre à un certain nombre de standards. Et encore une fois, vous avez certains standards qui sont donc déjà dans les RFC. Donc, mais vous avez surtout la méthodologie, en fait, c'est-à-dire que énumérez vos logiciels, énumérez les fonctionnalités que vous voulez voir, vérifiez si ces fonctionnalités sont implémentées par vos logiciels. Si c'est des logiciels faits maison, donc à ce moment, ça veut dire que vous-même, en tant que développeur, vous devez vérifier que vous répondez, vos logiciels sont compatibles avec les standards, les RFC qui font légion et qui sont en fait érigés en tant que standard. Si c'est des logiciels qui ont été faits par une entité tierce ou une communauté, encore une fois, le travail sera toujours de vérifier que cette communauté, justement, en fait, répond à certains standards. Je vous ai donné, dans le cas des logiciels réseau, le cas de FRR, par exemple.
Avec RFRR, vous allez voir que dans, en fait, quand vous regardez les fonctionnalités, ils vont toujours vous faire une page avec les fonctionnalités et les RFC qui sont impliqués dans ces fonctionnalités. OK, divisé pour me remettre. Okay, Willy, juste pour ajouter un peu là-dessus, pour ce qui est des logiciels, déjà, il faut dire que lorsque Willy parle, par exemple, de Cisco, on parle ici du logiciel, hein, du système d'exploitation de Cisco, c'est-à-dire l'iOS, l'iOS XR, ainsi de suite. Et aussi, lorsqu'on parle de Juniper, c'est Juniper Genos ou bien encore MikroTik Router OS. Ce sont des logiciels dont on parle ici. Donc, cet audit-là concerne aussi déjà les logiciels. Et maintenant, comme Willy l'a si bien dit, on ne peut pas rentrer dans les spécificités de tous les logiciels parce que chaque organisation a ses logiciels, ses propres logiciels spécifiques à lui. Par contre, que tous les logiciels qui concernent, par exemple, la gestion des réseaux, allons dire un truc comme pour les IXP, IXP Manager, pour la gestion des adresses IP comme par exemple PHP, IPAM, ou bien encore peut-être un logiciel comme FreeRadius, tout ça, ou encore peut-être Bind pour le DNS, ou bien encore peut-être le DHCP, tout ça. Ce sont ces logiciels-là que vous devez énumérer. Donc, lorsque vous êtes en train de faire l'audit, une fois que vous avez fait, parce que là, on fait l'audit, on a fait l'audit qui va concerner par exemple le routage du préfixe pour que le préfixe puisse circuler aisément dans le réseau. Mais ces autres logiciels qui visent à offrir des fonctionnalités dans le réseau telles que le web, le DNS, le DHCP, ainsi de suite, vous devez recenser tous ces logiciels que vous exécutez et puis faire la même approche, c'est-à-dire pour chaque logiciel, voir qu'est-ce que vous faites aujourd'hui en IPv4. Par exemple, si vous faites du DHCP en IPv4 et que votre logiciel effectivement a les fonctionnalités dont vous désirez pour IPv6. Pour répliquer le fonctionnement de votre réseau IPv4 en IPv6. Donc, voilà ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup, Stéphane. Donc, nous continuons avec les questions. Merim qui demandait combien de fois on réalise l'audit. Alors, on va dire que l'audit peut se faire, en fait, on va dire, sur une période cyclique, peut-être sur les 6 mois ou plus les années. Parce que ça dépendra en fait de la manière aussi à laquelle votre parc évolue. Donc, c'est à ce moment-là que vous faites l'audit. Parce que dites-vous bien aussi, et là où vous pouvez être proactif, c'est que justement, avant d'acquérir justement avant toute nouvelle acquisition, ayant justement en fait déjà acquis une bonne méthodologie, justement, vous allez vérifier un certain nombre de choses. Donc, ça vous évitera par exemple d'avoir des surprises après. Donc, c'est toujours bien, par exemple, ayant déjà une bonne méthodologie. Par exemple, dans les nouvelles acquisitions, vous faites déjà un certain nombre de vérifications. Mais sinon, l'audit, donc, vous le faites en fonction d'une certaine fréquence, en fonction de l'évolution de votre parc. Voilà ce que je pouvais dire à ce niveau. Autre question. Oui, Pascal qui demandait la durée que peut prendre le déploiement d'IPv6, le coût financier. Par expérience, avec les cas que les organisations que nous avons au niveau du helpdesk jusqu'ici, on va dire que ça dépend de chaque organisation. Et ça dépend de l'objectif que vous fixez. Je m'explique. Par exemple, si vous fixez... Mais une manière générale, en fait, ce que nous recommandons, c'est de ne pas vous fixer des gros ou bien des objectifs trop ambitieux dès le début. Le plus important à réaliser, c'est d'y aller de manière graduelle. C'est la clé, en fait, dans tout cela. Donc, je m'explique. Par exemple, donc, si vous voulez, OK, vous dites... vous êtes une organisation et vous voulez déployer IPv6 chez l'utilisateur final, donc qui a la FTTH par exemple. D'accord, ça c'est votre objectif final. Mais vous rendez compte que en fait vous n'avez même pas d'abord IPv6 pour commencer. Vous ne l'avez même pas annoncé. Donc vous n'avez même pas, si vous n'avez même pas IPv6, vous ne l'avez même pas annoncé, vous ne l'avez même pas déployé dans une portion de votre réseau, vous n'avez même pas vu si vos CPE sont à jour. Donc, c'est pour vous dire que vous pouvez avoir beaucoup de prérequis, en fait, avant d'arriver à comment est-ce que vous déployez IPv6 auprès de vos clients. Donc, l'idéal, c'est de commencer avec des objectifs, on va dire, vraiment graduels. Et de manière graduelle, le plus fondamental, ce sera d'obtenir un préfixe IPv6 et de faire l'audit. Et de faire l'audit ici, c'est, attention, c'est l'audit des équipements impliqués dans l'annonce.
Donc, encore une fois, graduel. Et donc, par rapport à votre question, en fait, ça dépend de chaque organisation. Ça dépend du temps que vous voulez investir dans, en fait, le projet que vous fixez. Si votre projet, c'est au moins de pouvoir déjà l'annoncer sur la bordure et une portion du réseau, ça peut aller certainement beaucoup plus vite que quelqu'un qui veut le déployer auprès des clients finaux et parce que celui-là n'a même pas encore de préfixe IPv6. D'accord. Mais dans tous les cas, la recommandation, c'est d'y aller de manière graduelle, de vous fixer des objectifs qui ne sont pas trop longs dans le temps, mais qui vous permettent d'avancer. Et aussi, un élément important par rapport à l'audit, justement, c'est parce que vous voulez effectuer un déploiement, c'est mieux de le faire progressivement parce que ça va vous aider aussi à mieux ficeler votre budget. Parce que vous le faites de manière graduelle, vous pouvez faire un audit qui soit graduel. Et en faisant un audit qui soit graduel, ça vous permet de bien déterminer les éléments, par exemple, qui doivent être soit remplacés, soit être mis à jour, de pouvoir identifier les fonctionnalités. Peut-être vous avez des équipements déjà qui fonctionnent. Vous avez, par exemple, parmi certains des constructeurs dont je ne citerai pas le nom, par défaut, leurs équipements fonctionnent en IPv6 tout de suite. C'est-à-dire, par défaut, ils implémentent déjà des fonctionnalités IPv6 minimales. Donc, je ne vais juste pas citer pour ne pas faire de concurrence à tel ou tel, mais il y en a qui, par défaut, le font. Donc, lorsque vous avez vérifié que, OK, vous avez des équipements comme ceci, ça vous fait déjà un voyant vert dans votre checklist. Donc, ça dépend en fait de chaque organisation. Et en fonction de ce que vous mettez comme ressources, vous pouvez aller très vite. Vous pouvez le faire en 2 mois, 3 mois, 1 an, en fonction de l'objectif que vous fixez. Donc, par rapport à la question de Nabil, comme j'ai indiqué, nous avons une chaîne YouTube et donc vous aurez également le lien à la fin de la présentation. Donc, Hamid demandait si on peut se fier aux déclarations des constructeurs. Nous avions déjà dit que, justement, on ne peut pas juste se cantonner à ce que dit un constructeur. La bonne pratique serait que, OK, le constructeur vous a dit, OK, il implémente tel ou tel. Idéalement, ce que vous devez faire et que vous recommandons, c'est d'avoir des retours d'expérience autour de vous. Peut-être au sein d'un org, vous avez dans un org, vous pouvez poser la question aux uns aux autres pour savoir est-ce que tel ou tel a déjà utilisé tel équipement et est-ce qu'il a pu implémenter telle ou telle fonctionnalité. Ça vous donne un retour d'expérience. En fait, vous pouvez poser la question à d'autres. Si vous avez également la possibilité, vous pouvez avoir, soit avec votre constructeur, soit quelqu'un d'autre, un équipement de test avec lequel peut-être, voilà, vous vérifiez est-ce que cet équipement effectivement remplit cette fonctionnalité. Mais comme on a dit dans la présentation, ne vous arrêtez juste pas à la déclaration. D'accord? Certains, malheureusement, parfois, le mettent juste en avant parce que, voilà, peut-être, ils voient que certains ont déjà effectivement implémenté, donc ils ne veulent pas être derrière, donc ils le mettent aussi en avant, ainsi de suite. Donc, mais dans tous les cas, ne vous arrêtez juste pas à ce qui est dit. OK, Damso qui dit oui, ces équipements, c'est Huawei. Bon, Huawei, donc, comme d'autres constructeurs, dans leur portail. Certains constructeurs, comme on l'indiquait, dans leur portail. Pascal qui disait, quand je parle du coup, je fais allusion de votre assistance, il faut... Non, l'assistance que nous avons n'est pas payante. Tous ceux qui sont membres Afrinic, quand vous répondez au formulaire, en fait, nous vous assistons tout le long, nous donnons nos suggestions, nos recommandations. Donc, en fait, il ne tient qu'aux membres, aux organisations, de pouvoir justement, en fait, avancer. Nous, à notre niveau, en fonction des doléances que vous soumettez, nous tâchons toujours de vous apporter notre soutien, l'ensemble de nos ressources, certaines que vous avez déjà là et d'autres ressources aussi, si nécessaire. Mais en tout cas, ce n'est pas un support qui est payant. C'est un service qui est pour les membres Afrinic. Willy, je ne suis pas d'accord avec toi. Hein. okay, vous devez payer. Et le prix ici, c'est le sérieux parce qu'on a remarqué certaines personnes qui vont demander l'assistance, pourtant elles ne sont pas prêtes. Donc, si vous venez demander l'assistance d'Afrinic, assurez-vous que vous êtes prêt, que votre organisation est prête à déployer IPv6. Parce que ne venez pas, par exemple, planifier des réunions et puis repousser les réunions après parce que vous n'êtes pas prêt. Donc, c'est ça le prix à payer. Il faut être prêt à faire le travail. Nous avons travaillé avec beaucoup d'organisations, nous avons aidé beaucoup d'organisations à implémenter IPv6 dans leur réseau, annoncer les préfixes, faire le plan d'adressage. Pour ceux qui n'ont même pas IPv6, nous l'avons aidé à obtenir leur bloc d'adresse IPv6, ainsi de suite. Donc, nous avons un plan assez détaillé que nous allons partager avec tous ceux qui vont sollicitent nos services. Mais ce que nous exigeons, c'est que les gens soient sérieux.
Merci Stéphane pour la précision effectivement qui est importante. Donc, c'est du temps que nous vous consacrons, que nous jugeons très important. Aidez-nous aussi à vous aider. Une question de Nabil qui demande comment faire appliquer PVC sur des anciennes applications web et qui ne sont pas aptes. Bon, Nabil, de manière générale, en fait, justement, moi, la recommandation qu'on va vous donner de manière générale, c'est justement d'être proactif. Déjà, par défaut, tout ce que vous faites comme développement, pensez justement IPv6. Ou bien, en fait, pas seulement pensez IPv6, pensez à ce que, quand vous développez un produit qui soit compatible aux standards, d'accord? IPv6 fait partie des standards. Donc, dans un développement d'application, songez toujours à être au jour en termes de standards. Donc, voilà. Par rapport à des anciennes applications, il y a plusieurs mécanismes de transition qui peuvent vous permettre de pouvoir faire exploiter ou pas ces applications. Une question de Benny sur les différents types de certification. Stephen peut-être pourra répondre maintenant ou après, parce que je crois que Stephen aura aussi quelque chose à proposer aux participants à la fin de ce webinaire. Je crois que les deux questions sont liées. Donc, les différents types de certification, avant que Stephen ne complète, donc vous avez le niveau Silver et vous avez le niveau Gold pour les certifications IPv6. Vous avez la plateforme que peut-être certains d'entre vous connaissent déjà, donc certi6.ouf. Voilà. Donc, vous allez trouver l'ensemble de ces informations sur cette plateforme-là. Et il faut le dire, Willy, pour ceux qui sont intéressés, justement, il tombe à pic parce que nous avons un discount pour la période de COVID qui court. Donc, tous ceux qui participent à nos webinaires bénéficient comme ça d'une réduction de 40%. Donc, vous payez les 60% des frais. Comme Willy l'a dit, il y a le niveau silver et le niveau gold, le niveau argent et le niveau or. Le niveau silver, c'est l'entrée. C'est Willy va monter pour que vous voyez un peu à quoi ça fait référence. Donc voilà, le niveau silver, on a par exemple les questions vont porter sur les bases d'IPv6, par exemple comment travailler avec une adresse IPv6, comment réduire, raccourcir une adresse IPv6, les types d'adresses IPv6, le sous-réseautage, la comparaison avec IPv4 en termes de fonctionnalité et tout, le NDP et ainsi de suite. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés, voilà à quoi renvoie le niveau Silver. Le niveau Gold, quant à lui, il coûte 150 $, contrairement au Silver qui coûte 100 $. Le blueprint que vous voyez affiché à l'écran. Donc vous pouvez retenir juste l'adresse du site, certi6.io. Et puis, vous allez là, vous aurez toutes les informations. Une fois que vous êtes décidé, vous voyez en haut là, il y a un lien s'enregistrer. Donc, vous pouvez cliquer sur s'enregistrer. Quand vous cliquez sur s'enregistrer, vous allez sur cette page. Là, vous allez payer votre certification, le niveau que vous voulez. Et en utilisant le code 760, vous obtenez une réduction de 40%. Voilà. Ok, merci Stéphane. Ok, donc il y en a qui demandent aussi, est-ce qu'on a des cours, des tests? Vous avez tout cela en fait sur cette plateforme-là qui est disponible, qui est proposée avant de pouvoir effectuer l'examen. Oui, mais Willy aussi, tu peux leur parler de la plateforme learn.afrinic.net. Oui, tout à fait. Notre plateforme de cours en ligne, learn.afrinic.net. Où vous pouvez également vous inscrire et pouvoir dans e-learning aussi. E-learning, oui, en fait, je voulais parler e-learning. Donc, sur la plateforme d'e-learning, autant pour moi. Donc, vous avez donc un certain nombre de cours qui vous sont mis à disposition là. Vous pouvez vous inscrire, l'inscription est gratuite. Voilà, donc il ne tient qu'à vous de pouvoir donc suivre les cours qui sont là. Notez également, donc, il y aura également des cours en français qui seront mis à disposition très bientôt. Ok. Ok, donc nous continuons avec la série des questions. Nabil a une question spécifique toujours aux applications web. Bon, Nabil, juste aussi pour rappeler, déjà, ce serait bien que tu puisses revenir. On t'attendait au helpdesk. Bon, si tu peux revenir aussi, on pourra discuter par rapport à cela. Mais il faut savoir encore une fois qu'il faut y aller de manière graduelle. Les API, ça dépend aussi de l'environnement dans lequel tu te trouves. Donc, ce n'est pas comme s'il y a une API spécifique à IPv6. Ça dépend de ce qu'on est en train de faire.
Donc, question de Pascal. Oui, Liboroto disait qu'il attend les cours en français. Il faut dire qu'il y a déjà un cours en français, le cours sur la planification des adresses. Donc, oui, tu l'as déjà publié ou pas? C'est parce que ce n'est pas publié que je n'ai pas dit. En fait, Donc, le cours, nous allons vous l'annoncer officiellement d'ici là. ouais, c'est très imminent. Donc, ouais. J'ai juste pas voulu trop m'avancer là maintenant, mais effectivement, le cours est déjà prêt. Donc, c'est D'accord. imminent. Donc, Pascal demandait, qu'en est-il pour l'assistance à une formation en présentiel en entreprise? C'est toujours gratuit pour les membres. Donc, ce que je vais dire, nous avons un programme qui s'appelle les déployathons. D'accord? Il y a un déployathon qui était, une série de déployathons qui était prévue cette année. Malheureusement, vous l'imaginez bien un peu avec le contexte actuel. Nous n'avons pas pu en fait dérouler le programme comme ce qui était prévu, mais il faut savoir qu'en fait, les déployathons, quand on les fait, justement, en fait, on permet donc à des organisations qui veulent vraiment faire du déploiement de venir travailler. On travaille ensemble pendant 4 jours et on les aide à pouvoir avancer dans leur déploiement. Mais c'est vraiment de manière concrète. Donc, ce n'est pas juste de la théorie, c'est on vient, on discute, on présente certains concepts, on travaille sur vos problématiques très particulières et l'objectif c'est qu'au bout des 4 jours en fait vous ayez au moins à réaliser 3 ou 4 actions concrètes de telle sorte que vous puissiez continuer. Donc malheureusement cette année en fait on a dû suspendre le programme à cause de ce qui se passe avec la pandémie, mais ne prenez en compte que cette année quand même nous allons faire une activité qui sera en ligne dans ce sens-là. Donc restez toujours à l'écoute et nous verrons comment le faire. Mais l'assistance en soi n'est pas payante. Quand on organise des déploiements, les participants ne payent pas pour assister. D'accord? C'est celui qui organise, on va dire le facilitateur, qui prend en compte la logistique. Donc, c'est lui qui supporte un certain nombre de coûts. Mais les participants eux-mêmes ne payent pas. Un peu comme ce qu'on disait au niveau du helpdesk, ce qu'on va par contre vous demander, c'est effectivement d'être suffisamment sérieux lorsque vous venez assister à un déploiton. Parce que l'objectif du déploiton, c'est d'être concret. Donc, si vous venez, bon, on va dire, vous n'avez rien payé, effectivement, mais c'est même pas parce que vous n'avez pas payé. Il faut vous dire qu'en fait, c'est du temps que vous consacrez, c'est du temps aussi que nous consacrons. Donc, en fait, ce n'est pas payant, mais on vous demande de venir travailler sur quelque chose qui est concret et qui va satisfaire à la fois vous-même et nous-mêmes aussi à la fin. OK, dernière question de Benny qui demandait s'il peut passer sa certification Gold sans Silver. Alors là, je ne pense pas, mais c'est Stéphane qui va répondre. Je peux vous déroger spécialement si vous avez déjà une certification CCNA. Donc, je pourrais vous faire passer directement à Gold. Voilà. OK, voilà. Benny, vous avez votre Mais réponse. c'est pas évident. Donc, rassurez-vous. Nous avons l'une des meilleures certifications IPv6 dans le monde. Parlant de certification IPv6, j'imagine que vous connaissez la plateforme IPv6 Forum, qui authentifie les certifications IPv6 dans le monde. Il y a comme ça 12 organisations de certification IPv6 dans le monde. Et à l'heure actuelle, nous avons la meilleure et la plus complète. Voilà. Et merci Stéphane pour ces précisions. Question de Placide. S'il vous plaît, qu'en est-il de Android et IPv6 en termes de compatibilité? J'ai lu dans la littérature que Android ne supporte pas IPv6. Non, Placide, ce n'est pas. Soit nous allons rapidement corriger. Déjà, prenez toujours en compte que Android est basé sur un noyau Linux et les noyaux Linux supportent IPv6 depuis très longtemps, plus d'une dizaine d'années, d'accord? Donc, intrinsèquement, on va dire Android supporte IPv6. Maintenant, dans supporter IPv6, un peu comme ce que nous avons dit, en fait, quand on parlait des fonctionnalités, Android n'implémente pas volontairement certaines fonctionnalités. Mais ça, c'est pas lié à leur, on va dire, c'est leur politique. Par défaut, donc, ce qu'ils implémentent, on va dire, quand on dit le support IPv6, le système d'exploitation reconnaît tout ce qui est IPv6, il va reconnaître tout ce qui est Slack. Donc, c'est un type de provisioning qui est reconnu. Ce que, en fait, les systèmes d'exploitation Android ne reconnaissent pas ou n'implémentent pas, d'accord, c'est ce qui sera lié à DHCPv6. Ce n'est juste que ça.
mais Android supporte IPv6. Ça, c'est s'il faut être très générique. Mais c'est en allant dans le détail, il y a certains éléments qui ne supportent pas. Mais ce n'est pas ça, en fait, qui va vous empêcher de pouvoir exploiter IPv6 avec un téléphone Android. Voilà. OK. Donc, je pense que nous avons répondu à l'ensemble des questions. Donc, merci beaucoup d'avoir participé. Nous espérons que l'échange a été fructueux. Bien sûr, toujours perfectible, mais nous avons également pris en compte vos remarques et nous tâcherons également de pouvoir proposer de meilleurs supports, de meilleurs contenus. N'oubliez pas de répondre au questionnaire qui vous sera proposé au terme de ce webinaire. Vous aurez donc également accès à toutes nos ressources. Vous avez également le lien vers le formulaire qui permet pour ceux qui auront besoin d'une assistance de pouvoir, afin que nous, on puisse vous contacter et travailler avec vous. Bien sûr, n'oubliez pas, nous voulons justement des personnes, des organisations suffisamment sérieuses et engagées et nous allons tout mettre en œuvre pour vous aider. Voilà, donc sur ce, nous allons achever ce webinaire. Et nous vous souhaitons de pouvoir passer une bonne soirée et à la prochaine pour la suite de nos webinaires. Merci. Merci, bye bye. Bye.